Wesh la team, mode carrière, Tottenham, épisode 8, c'est parti. Donc très très heureux de vous retrouver aujourd'hui la famille pour ce nouvel épisode. Donc directement, on fait un petit bilan des meilleurs buteurs là. Donc on voit que Lukaku est en tête avec Slimani à 12 buts. On regarde au niveau du classement, on est à 2 points de Leicester City avec une journée en moins. Donc on est classé premier, on a quand même pas mal distancé Manchester United, Liverpool. Bon, Manchester a un point en moins, une journée en moins, pardon, comme nous. Mais on est déjà quand même à 4-7 points d'avance sur eux avec le même nombre de journées. Donc on fait un gros travail. Maintenant, on va aller voir un peu le calendrier, voir les matchs qui nous attendent pour cet épisode tout simplement. Donc là, West Ham le 30 janvier, ça sera le Mercato, on a Swansea, on a un match de coupe face à Doncaster, on a Everton, on a après Southampton, il me semble, c'est... Ensuite, on a Manchester United au 31, si possible, on va essayer de faire tous ces matchs-là, mais je vous garantis, hein, je ne sais pas où on s'arrêtera, en tout cas, on en fera au moins jusqu'à Everton, ça c'est clair, et on verra pour la suite, après, ce qu'on fera. Donc voilà, la Swansea, surtout le 1er janvier 2018, donc ces deux matchs-là, Swansea surtout, je risque de le simuler. Donc on vérifie l'équipe Tottenham et c'est parti, on va aller affronter la petite équipe de West Ham, donc toujours avec notre compo de base, hein, 4-2-3 qui marche très très bien, une équipe de Tottenham très très lourde, qui fait la différence pour le moment sur quasi tous les matchs. Ben, on est premier au classement de championnat. Où on a été à la tête de notre classement pour la qualification 8e de LDC et de très très loin, même avec une équipe de jeunes, on faisait très très mal. Donc voilà, il n'y a pas de raison, qu'on ne fasse pas une grosse carrière cette saison avec Tottenham. Je précise également que je devais vous balancer cet épisode-là il y a un jour ou deux. J'ai pas pu, donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous balancer cet épisode, on est samedi. Et dès demain, donc je vous balancerai l'autre épisode, l'épisode numéro 9 avec Tottenham. Lundi, j'enchaînerai avec l'épisode 8 du PSG et mardi, l'épisode 9 du PSG pour vraiment vous enchaîner une vidéo par jour à partir de cet épisode-là. Donc voilà, on va faire le nécessaire pour. Je ne vous garantis pas que ça va être fait, mais je vais faire le maximum pour balancer les épisodes à la suite, surtout l'épisode de matière, le PSG qui est très très suivi. Allez, c'est parti. On va commenter match face à West Ham pour faire la différence. Faut marquer, faut conserver notre place de premier du classement en faisant de bonnes prestations, tout simplement. Voilà, on récupère Aurier. On a fait de la première mi-temps. Wanyama qui est dans la surface, la frappe, c'est renvoyé par le gardien. Allez, Wanyama, on récupère. Allez, il est physique, mais par contre, on se fait prendre. Eriksen, on décale pour qui? Son, ça va être récupéré par les joueurs de West Ham. Attention au contre. Attention au contre, non. Fin de la première mi-temps. Donc 0-0 pour le moment. Match très très équilibré. Domination de notre part. Mais honnêtement, au niveau de la défense, ils sont pas mal du tout. Hein. Ils nous bloquent souvent juste avant la surface de réparation. Allez, donc il va falloir un peu être plus efficace devant les cages. Son. Wanyama. C'est bien, il revient s'il faut. Difficile d'arracher la balle à Wanyama. Honnêtement, il pèse beaucoup. Kanté Son, allez Kane, non, c'est récupéré par West Ham, ça décale, 89e minute, allez Wanyama pour Kane, attention, Eriksen, pardon, c'est récupéré par le gardien Hart qui va renvoyer ça, loin devant, allez la petite tête, faut récupérer, faut faire mal, non, attention West Ham peut être dangereux, ce dernier, oh là là, il est passé, attention, faut le bloquer, ça centre. Ouh, la belle petite claquette là qui aurait pu être très dangereuse. Arnaud Tovic pour tirer ce corner. Ça centre. Allez, on met la petite tête. Pourquoi pas? Une petite occasion en fin de match. Et non. Donc, victoire nulle, pardon, 0-0 face à West Ham. Donc, c'est clair qu'on aurait préféré prendre les 3 points. Après, honnêtement, West Ham a très très bien joué. Donc voilà, c'est ce qu'on méritait tout simplement ce match-là. Mais on va essayer de se rattraper sur le prochain match. Donc c'est parti pour aller affronter Swansea. Donc avec un nouveau dispositif, un 4-1-2-1-2 qui nous avait bien réussi avec l'équipe de jeunes. Donc on va essayer de faire le taf hein, comme il faut. Et voilà, tout simplement. Je précise également qu'on est le 1er janvier 2018, donc le mercato était ouvert. Je ne vais pas vous demander de me mettre en commentaire le nombre, les joueurs que vous voudrez voir, simplement parce que c'est une équipe qui tourne très très bien. On n'a plus beaucoup de budget, donc on va garder la même équipe. Attention, Delali, oulala, on ouvre le score directement à la 2-3e minute. Très très belle passe vers l'axe de Jesus, on voit ça. Jesus. Un vrai coup dur pour l'autre équipe.
très sauce, voilà. Et là, tranquillement, il met à contre-pied le gardien qui ne pouvait rien faire sur ce coup. Donc, vraiment nickel sur cette phase de jeu. Je précise qu'on est au début du mercato, mais on ne fera pas de changement. Je ne pense pas que j'ai acheté de joueurs ou que des petits jeunes. Donc, voilà, pas besoin de vous mettre en commentaire le nombre de joueurs, quel joueur vous voudrez voir, etc. Parce que je compte garder cette dynamique-là. On a déjà acheté pas mal de joueurs, Sané, Kanté, Jesus. Les principaux, ils font le taf, ils donnent satisfaction pour le moment. Attention, on récupère ça. Allez, on remet Verdière. Wings. Delali. Delali. Allez, là-bas. Qui est parti? Kane. Allez, frappe. Ouh, le beau petit centre, Jesus, yes, le doublé. Le deuxième but, pardon. Le but de Jesus. Magnifiquement bien joué, 11e minute, 39 secondes. On met le petit but qu'il faut là où il faut. Kane, gros travail, la petite passe en l'air. Ça, c'est vraiment un point fort sur FIFA 18. Il faut vraiment exploiter les centres lobés comme ça. Ouh là là, Jesus est très très bon. Il donne entière satisfaction à chaque fois qu'il rentre. C'est vrai qu'on a du mal à le mettre seul en buteur parce que Kane, voilà, c'est très très lourd. Mais Jesus aussi, c'est très très lourd. Donc voilà, 4 buts en première ligue, c'est un joueur qui joue pas beaucoup. On le fait tourner de temps en temps. Mais ça s'arrête là. En tout cas, pas mal du tout. Grosse entame, 2 à 0 face à Swansea dans le premier quart d'heure de jeu directement. Allez, faut continuer sur cette optique là. 23e minute. Attention à Swansea, attention. C'est décalé, attention, le petit enveloppé, ça passe. Swansea qui revient au score, 2 à 1 en notre faveur. Le petit but très très bien joué. Bon, on n'a pas Loris. Dans les cages, le risque aurait peut-être arrêté. Maintenant, voilà, Swansea, ils ont une bonne équipe quand même. C'est pas grave, le gardien, on va pas lui en vouloir. Il a déjà beaucoup de pression de remplacer Loris. C'est pas de sa faute, c'est un arrêt qui aurait pu être évité, mais c'est pas grave. But de fer à la 25e minute. Donc voilà, il va falloir essayer de revenir au score. Tout simplement pour se mettre à l'abri. Allez, Wings. 37e minute. On obtient un petit corner. Delali, d'hier, yes, le 3-1. Le 3-1, le petit but de d'hier. Ça, c'est bien joué. Très, très bien joué la tête. Il est nommé capitaine pour ce match. Capitaine, et il donne entière satisfaction. Entière satisfaction pour le moment. Défensivement, comme là, sur ce coup, offensivement. Donc, très, très bon match de sa part. C'est vrai qu'on hésite beaucoup à le mettre à la place de Sanchez, parce que Sanchez, il est jeune. C'est vrai qu'il est bien exploité. Après, on a Alderweireld. Défenseur belge qui fait aussi la différence, mais c'est vrai que des fois il faut toujours un autre pour faire tourner. C'est vrai que défensivement on a de la qualité avec Didier Sanchez, Alderweireld. Il nous en faut un autre, on a Ben Sebaini, mais bon, c'est un jeune, c'est plus pour le faire jouer d'ici une ou deux autres saisons et plus en tant que remplaçant. Mais voilà, c'est bien d'avoir des joueurs de cette qualité là sur le banc de touche qu'on fait rentrer, qu'on fait tourner, etc. Allez, 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 81e minute, Kanté qui est parti sur le côté gauche, on la remet pour Jesus qui revient. On l'a remis pour qui? Emre Mor, le petit enveloppé. Yes, le 4-1. Le 4-1, il est rentré à quelques minutes. Il met son petit but, c'est nickel. 83e minute. Grosse prestation d'Emre Mor qui, dès l'entame de jeu, a touché quelques ballons et a fait très très mal à la défense. Jesus, la très très belle remise. Il se fait une petite passe D. Nickel. Et là, Emre Mor, regardez, il se place. Petit enveloppé de son pied gauche. Et ça fait but. 4-1. Donc voilà, là, on est bien revenu au score. On a bien sécurisé le match. Maintenant, on est à l'abri. On sait que les trois points sont acquis. Donc voilà, on peut jouer tranquille sur cette fin de match et attendre que l'arbitre siffle, tout simplement. Allez, pourquoi pas en mettre un autre, hein, si on peut. Attention, alors on récupère. Allez, le très bon décalage pour Emre Mor. Allez, la petite passe en retrait pour Jesus. Et yes, le 5-1. Yes, le 5-1. Oh là là, Jesus doublé, passe décisive. Il fait très très mal. Il fait très très mal. C'est pas pour rien que c'est l'un des joueurs les plus utilisés sur FUT. Également, Jesus, vitesse, très bon devant les cages, bon de la tête, il a tout ce qu'il faut. Oh là, vraiment, passe des. Honnêtement, là, on a les deux hommes du match sur cette action. Vraiment, Jesus, qui font le plus gros travail de cette équipe. 88e minute, bon, là, c'est totalement fini pour Swansea, mais bon. Ils vont quand même faire tourner après nous, voilà. Pourquoi pas se priver encore de mettre un autre but, même si on n'y croyait pas, on en met. Pourquoi pas en remettre un autre sur ces dernières minutes. Mais bon, 5-1, ça nous va très très bien. Le centre, l'arrêt de Ganzaghia.
difficile un peu à prononcer. Delali, attention, c'est récupéré Delali qui se bat. Il la remet pour qui? Jesus. Jesus aime vraiment. Reina, il va siffler. Dommage, on aurait pu finir l'action et mettre le petit 6-1. C'est nickel. Grosse prestation face à Swansea. Gros, gros match. Ça nous réconforte dans ce schéma 4-1-2. 1-2 qu'on testait avec l'équipe de jeunes, qu'on a voulu tester avec cette équipe-là. C'est très, très, très positif. Et on se retrouve pour le prochain match. Match de FA Cup face à Doncaster. Donc, une équipe, il me semble, de deuxième division. Hein. Donc voilà, on va aller essayer de jouer ça directement, c'est le troisième match de cet épisode. C'est une équipe qui ne devrait pas nous poser de problème. Normalement, on repart avec notre système en 4-1-2-1-2. Et voilà, c'est parti pour commenter le match. Allez, on a l'engagement. Delali pour Sterling. Jesus. On perd la balle. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Attention, ça joue vers l'avant. L'entraîneur a joué et ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Delali, allez, on est dans leur rang. Sterling a frappe de loin. Le petit jeune Sterling, hein, qu'on a voulu tester pour ce match, lui donner un peu de chance. Allez, le gardien qui renvoie. Touche courte, on va voir. 52e minute. Attention, attention, on récupère, c'est bien. Aurier. Aurier, le bon pressing. Aurier, Aurier, allez, décale là-bas pour. Décale là-bas pour Jesus. Jesus, celle face au gardien, il la met. Il ne lui laisse aucune chance. Il crucifie le gardien de Doncaster. 1-0, 55e minute. Nickel. Gros, gros travail d'Aurier. Gros pressing. Voilà. Là, ça, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est ce qu'on attendait. Mais quand même, ils ont posé pas mal de problèmes, cette petite équipe de Doncaster. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de frappe parce que tout simplement ils n'ont pas laissé attention au centre qui aurait pu être dangereux, ils n'ont pas laissé devant les pénétrer leur surface et frapper, donc c'est bien joué. Là, une petite frappe, ça sera à côté, mais c'est très très bien tenté, très très bien tenté. Ils font un très bon match et ça a félicité. Allez, on remet vers Aurier. Attention, Dier, Aurier, Aurier, Dier, Dier vers qui? Delali, Wings, Jesus. Attention, non, c'est récupéré. Allez, allez, Raoul. Raoul. Allez, il a vu là-bas. Non, oulala, bonne conservation de balle hein, sur ce coup. Il joue très bien, hein, il joue très très bien. Attention, voilà, on récupère. Dier. Allez, c'est remis vers. Delali. Delali. Jesus. Jesus. Sterling. Non, ça c'est prendre la balle. Attention. Attention, cette équipe d'Ancaster. Attention. William, pardon. Williams, attention, la petite passe pour Coppinger. Attention, attention, attention. Allez, l'arrêt de Gazenghia. Le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Donc il centre. Attention au centre. Voilà, on voit ça. Ça joue très très bien de leur part. Très 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 bien. Attention, attention. Attention, ils vont centrer. Attention, ils vont centrer. L'arrêt de Gazenghia. Ça renvoie. Allez. Delali. Delali. Allez, c'est bien. Gros travail. Delali. Delali, il est passé. C'est bien, encore une fois. Encore une fois. Delali. Le petit centre pour. Le petit centre pour la tête. Delali qui revient. Yes, on la met au fond. Yes, le but de Delali. C'est très, 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 très bien joué. Oh là là, le gros, gros travail qu'il nous fait. Gros, gros travail de Delali. On revoit ça. Là, il passe, il centre pour Jesus, le défenseur la renvoie, Delali qui suit, la petite tête, rien à redire, 2-0, 2-0, hein. Mais honnêtement, je pensais qu'on gagnerait plus sur ce match-là, mais ça joue très très bien, honnêtement, ça défend bien, ils sont là pour essayer de nous battre, ils n'ont rien à perdre, et honnêtement, ils le font d'une très belle manière. Allez, Wings qui récupère, 90e minute dans les arrêts de jeu, c'est récupéré par Doncaster, et voilà. Ça se finira sur ce score 2-0 en notre faveur. Très très bon match. J'aurais pensé les battre, qu'on les batte avec un peu plus, un plus gros score. Mais bon, ils ont bien tenu, ça a félicité. Et nous on se retrouve pour la suite, le prochain match, match de championnat il me semble. Allez, c'est parti pour le match face à Southampton. Toujours en 4-1-2-1.
1-2-1-2, dispositif qu'on teste, qui nous va bien. On essaye de voir encore ce qui peut s'améliorer, etc. Donc face à ce genre d'équipe, c'est parfait pour voir ça. Petit récapitulatif du classement. On est à égalité au nombre de points avec Leicester City, mais avec deux journées en moins. Donc potentiellement 6 points d'avance sur eux. Donc très bien classé actuellement championnat. Faut pas jouer avec le nombre de points, ça peut aller très très vite. Mais en tout cas, on a mis une série de distance au troisième. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va continuer. Delali, on va commenter plutôt vers Wanyama. Wanyama vers Kane. C'est récupéré par Southampton. 21ème minute. Wanyama. Delali. Allez, c'est remis. Là, on la remet vers Son en profondeur. Son qui va frapper directement. Yes, le but. Et le but de Son. Il n'en met pas énormément souvent. Il est très, très efficace en termes de passe D, de centre, etc. C'est pas souvent dans le rôle de buteur qu'on le voit le plus. Mais là, en tout cas, c'est un très, très beau but en l'air avant qu'elle retombe. La petite volée. Et ça fait but 1-0. Il permet à son équipe de prendre l'avantage. Et c'est parfait comme ça. Très très belle prestation de Son, hein. On voyait déjà depuis le début de ce match qui pesait énormément, beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion qu'il a apporté sur son côté droit. Et c'est vrai qu'on l'avait fait souffler un peu de temps en temps parce que voilà, on compte sur lui sur les matchs de Champions League, etc. En même temps que Dele Alli, Eriksen également, Kane, enfin on a une sacrée équipe. Honnêtement, je me vois bien faire peut-être même viser la finale. Demi-finale avec cette équipe de Tottenham, même si ça va être difficile, mais c'est possible en tout cas. Allez, Dele Alli, ça joue bien en passe. Son pour Kane. Allez, il est parti là-bas. Son solo. Allez, envoie. Oh là là, le petit trip. Oh là 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 là, on a affaire à un grand Son ce soir. Oh là 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 là, on va revoir l'action parce que le placement, comment qu'il est parti. Le petit trip devant le défenseur qu'il a mangé, le petit enveloppé à terre. Honnêtement, c'est magnifique. Gros Son qu'on a à faire ce soir, regardez ça là. Il attend, il ralentit, il accélère. Là, il s'arrête, petit gris. Hop, sans élan, le petit enveloppé. Le gardien peut ne rien faire, il la place à côté du poteau, on revoit. Regardez, c'est vraiment quelques centimètres du poteau. Ah, le gardien ne peut rien faire, très très beau but de Son. Très très beau but de Son, il pèse beaucoup. Donc voilà, c'est nickel. C'est ce genre de joueur qu'on aime voir sur ce genre de match. Et là, il fait le taf qu'on lui demande de faire. Il le fait très très bien. Allez, Southampton qui va essayer de revenir. Il va falloir consolider ce score. On récupère. Aurier. 89e minute. Allez. Attention à pas laisser revenir au score. Mais de toute façon, c'est gagné. On est dans les arrêts de jeu. Allez, on la remet. D'hier. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Et voilà, fin du match, victoire 2-0. On a affaire à un très très grand Son, homme du match bien évidemment, hein, sur cette rencontre. J'ai rien à dire, il a pesé du début à la fin, il a failli mettre en troisième. Il l'a pas mis, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on remporte les 3 points, qu'on consolide notre place de leader du championnat. Et c'est l'essentiel. On se retrouvera pour un dernier match. Allez, c'est parti pour un match de FA Cup face à Everton. Dernier match de cet épisode, la famille. Donc voilà, on voit les meilleures offres de transfert. Mahrez qui est parti au Bayern, Marolas au PSG, Malcolm à Monaco. Toujours avec nos 4-1-2-1-2 qui nous donne entière satisfaction pour le moment. Voilà, on a deux dispositifs, je pense qu'on va faire tourner sur la deuxième partie de saison. 4-1-2-1-2 et 4-2-3-1. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir quelle équipe, quel joueur on fera tourner pour quel match, etc. Allez, c'est parti pour commenter. Dele Alli pour Sané. Allez, déjà on est dangereux dès le début. Allez, Sané, non. Everton qui récupère. Attention, Everton, ils ont une très très bonne équipe. Hein. Idrissa Gueye très très fort, frontier sur fut champion. Il est pas mal du tout. 60e minute. Match très très serré, 0-0. Everton qui s'est montré dangereux plusieurs fois, nous également. On récupère Dele Alli, bonne conservation de balle. Kane vers Kanté vers Sané. Sané, allez, la petite accélération, non. Il va revenir, on décale là-bas pour Davis qui revient. Davis, on la remet pour Sané pour qui? Non, c'est loupé. Kanté qui va récupérer. Kanté pour qui? Eriksen. Eriksen qui récupère. Eriksen qui enveloppe, pièce le but. Yes, le but, le beau petit enveloppé, le gardien, la récupération d'Eriksen qui est trop trop rapide pour le gardien, il n'a pas le temps de prévoir le tir, on met le petit 1-0, on profite de ce petit cafouillage dans la défense, et voilà, on prend l'avantage face à Everton, mais par contre, il va falloir faire attention parce qu'Everton est capable de revenir à tout moment, ils ont une très très belle équipe, Rooney, Welbeck, etc., c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence, on le sait très très bien, donc on se méfie et on reste sérieux défensivement.
Allez, le bon décalage là-bas, sur le côté. Il faut faire attention. La passe en retrait. Voilà, on récupère, c'est bien. Et allez, on lance le contre. 89e minute. Plus que quelques minutes, faut tenir. Everton qui se montre de plus en plus dangereux. Allez, il faut juste tenir. Delali. Delali. Sané, Sané, Sané. Attention, pourquoi pas mettre le 2-0. Yes. Oh là 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 là, on tue le match. On tue le match dans les derniers instants. Sané qui met le 2-0 dans les arrêts de jeu, tout simplement. Et voilà, c'est la victoire. C'est la victoire. Everton qui a laissé trop d'espace à la fin. Voilà, regardez, on était vraiment à du 4 contre 4. Hein, on a su faire la différence. Sané qui a mangé 3 joueurs. Il la met côté opposé du gardien avec son pied droit. Et c'est le 2-0, tout simplement. Tout simplement, on va finir cet épisode en beauté avec une belle victoire face à Everton, une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes. Honnêtement, ça aurait pu revenir à 1-1 assez facilement. Ça aurait même pu prendre l'avantage à un moment vers la 3e minute et où ils ont fait une grosse frayeur avec Welbeck. Donc voilà. Mais maintenant, c'est gagné, hein, normalement. Et voilà, fin du match. Donc voilà la famille, c'était le dernier match de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il est un peu tard au moment où je vous balancerai cette vidéo. Donc voilà, la suite de l'épisode arrive dès demain, tout simplement. Là, le temps que je fasse le montage, stream ça, etc. L'épisode arrive dès demain, donc épisode 9. Ensuite, lundi, on repart avec la suite du mode qui est avec le PSG. Qui est très très vu. J'ai pris note pour Tottenham, ben, il n'y a aucune note à faire, je voulais pas acheter de joueurs. Pour le PSG, j'ai pris note des joueurs que vous vouliez voir. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je vous ferai part de mes avis au niveau du mercato. En tout cas, pour cet épisode, c'était tout. J'espère qu'il vous aura plu. Petit pouce bleu à la famille si c'est le cas. À vos commentaires si vous avez des choses à dire sur l'épisode, sur l'équipe, etc., sur les dispositifs. Je prends vos commentaires avec attention. J'essaye de voir ce qui va pas, vos avis, vos ressentis. Et voilà, c'était tout. C'était BRH. Portez-vous bien, la famille. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.